Oh non, s'il te plaît. Non, 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 non. Les amis, apparemment, il est impossible de mettre son pied derrière sa tête. Et pourtant... Oh ! Et pourtant, j'y arrive pas. Je voulais juste montrer ma nouvelle paire. Vous aimez ou pas, les gars? Paire de Dior B22, ça régale. Les amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, les abonnés vont venir me défier. Il y a un siège vide pour l'instant côté de moi. Les abonnés vont venir à tour de rôle s'asseoir en face de moi et me proposer un défi où ils pensent que c'est impossible que je réussisse. Par exemple, un abonné va venir et va me dire « Michou, je pense qu'il est impossible de... » Et je vais devoir réaliser son défi. Soit je réussis et du coup, bah, j'ai gagné. Soit je réussis pas et c'est l'abonné qui aura gagné. Bon, il y a rien à gagner, mais t'as capté. Les gars, je suis stressé parce que je sais pas ce qu'ils ont préparé. Et les abonnés, je vous connais, vous êtes fourbes les frères. Par exemple, j'avais mis un sondage sur Insta en mode « Ouais, proposez-moi des idées, impossible, deux, trois petits points. » Et il y en a les frères, faut vous calmer. Mais avant de commencer les frérots, je tiens à préciser, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, je vous en parle tout de suite. Wesh! Les amis, on a une mission pour vous. Laissez-moi vous parler de Watcher of Realms. Watcher of Realms, c'est un jeu de rôle fantastique de nouvelle génération. C'est une nouvelle petite dinguerie qui vient de sortir. Dans ce jeu, vous explorerez le continent mystique de Tia et vous plongerez dans un monde magique avec plus de 100 héros uniques. Tia comprend de vastes déserts, des donjons effrayants, des montagnes colossales et bien d'autres choses encore. Pour les découvrir, il faut télécharger le jeu. Honnêtement, vous verrez, les visuels, ils sont vraiment épiques et le gameplay, il est stratégique, riche et varié. D'ailleurs, j'ai choisi un tireur parmi différents personnages parce qu'il a trop de flow, les frères. Engagez-vous dans la bataille aux côtés de vos héros, en libérant leurs compétences ultimes, leurs attaques magiques et leurs sorts de soins, avec un timing précis pour défendre votre position avec stratégie. Le jeu propose des modes de combat très variés qui vous permettent de jouer avec une stratégie complète et de ressentir un fort sentiment d'excitation. Vous allez être excités quand vous allez jouer, les frères. Pour faire évoluer vos héros, vous devrez obtenir des ressources dans des donjons où des monstres de fous vous attendent. Renforcez et améliorez les attributs de vos héros en collectant des équipements, des artefacts et des poussières de compétences légendaires pour prendre l'avantage. C'est très facile parce que ça peut se faire automatiquement d'un seul clic. Maintenant les amis, je vais vous révéler ma véritable mission. Je vous explique, je vous attends dans le jeu, je suis l'un des leaders. Je pèse, frérot. Et pour cet événement, il y a une autre équipe avec Amixem comme leader. Sachant que l'équipe qui gagne, vous allez gagner des récompenses folles. Donc je vous fais confiance, gagnez des places dans le classement, les frères. Et pour ça, téléchargez le jeu dans la description et rejoignez-moi dans mon équipe, les frères. Le lien est dans la description, je compte sur vous. Je pense qu'on peut, appeler le premier abonné. Hein. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors sache que je suis probablement plus stressé que toi. Ou alors on est au même niveau, je sais pas, on verra. T'es stressé? Non, moi, un peu. Un petit peu. Non mais t'inquiète, t'inquiète, sans pas stresser. C'est moi qui est dans la merde, j'imagine, aujourd'hui. Je t'écoute, c'est quoi ton défi? Eh bah écoute, vu dans tes vidéos, tu fais pas le plus futé. En story, tu dis que tu sais même pas ce que c'est qu'un œdème. Alors, une abonnée ou une hateuse là? Ah non, une abonnée. Ah ok, non, parce que t'arrives, tu me tires dessus là quand même. Ça m'a un peu choqué, je t'en mode, bah quand même. Un œdème, les gars, je vous raconte l'histoire parce que c'est vrai que là, ça va mieux, heureusement. Il y a pas longtemps, j'avais le poignet et la main enflées. Et en fait, c'est parce que j'avais un œdème, apparemment, je me suis fait piquer par un insecte, ça s'appelle un œdème. Genre, ne pas savoir c'est quoi un œdème, c'est pas être futé. Maintenant tu le sais, mais pour le reste, on va voir. Mais je pense que c'est impossible pour toi de mettre un œuf dur dans une bouteille vide. Faut que je mette un œuf dans une bouteille? Ouais. Faut que je vois la bouteille et faut que je vois l'œuf là, parce que là, j'arrive pas à réaliser le défi. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je prends tous les défis. Donc défi accepté, y a pas de problème. Ok, je dois mettre dans ça? Et après là, tu vois, t'as plusieurs objets. Attends. Mais c'est facile. Bah essaye. Non, là tu le touches là. Ah, j'ai pas le droit? Bah non. J'ai pas le droit d'appuyer dessus. Ça, c'est... ça sert vraiment? Oui. Attendez les gars, en fait, on commence par une énigme. Des allumettes. Déjà, je sais pas allumer. Ah. C'est pas les allumettes de façon. Attends, s'il y a peut-être un bail d'allumettes. Mais. Elles viennent d'où tes allumettes? Ah, c'est pas les miennes. Si tu le fais vraiment, je. Bon. Regarde, si je fais chauffer, ça va le faire glisser. Tu vas te brûler là? Ah, ça m'a brûlé, ouais. Bon, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que si je mets la cuillère comme ça... Bah attends, mais j'ai une strat. C'était ça? Non. Mais ça fonctionne. Hein. Ouais, mais j'ai poussé l'œuf, quoi. Du coup, oui. Ça compte pas. Oui, normalement, c'est sans le toucher, vraiment. Si j'ai des ustensiles, c'est pour quelque chose. Oui. Est-ce que je peux toucher l'œuf avec la cuillère? Bah normalement, non. Mais moi, je suis sûr que c'est un bail de chaleur. J'ai une bougie et une allumette. Putain, je vais bien faire. Oui, c'est possible que j'allume une allumette, c'est déjà fou ça. Regarde, je fais chauffer l'œuf, je sais pas ce que je fais, vraiment je fais n'importe quoi. Putain, ça fonctionne pas. Tu peux me montrer la réponse? Du
du coup, c'était bien un truc de chaleur, les gars. Aïe, tu mets l'allumette avant. Mais non. Voilà. En vrai, j'étais pas loin, les gars. Oh, j'ai trop le seum. Bien joué. T'as gagné. Je vais plus me faire avoir aussi facilement. T'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres défis. Pas des défis d'intelligence, quoi. Non. Oh, c'est pas mal. Il date l'œuf, non? Les gars, ça commence mal pour moi, ça fait 1-0 pour les abonnés, mais vous savez quoi? Je viens d'avoir un objectif qui s'est fixé en tête. Au total, dans la vidéo, il va y avoir 9 abonnés qui vont passer pour me donner des défis. Du coup, je me dis, faut que je réussisse au moins 5 défis. Comme ça, je pourrais dire que j'ai gagné contre les abonnés. Prochain abo, faut que je gagne. Comment ça va? Bien. Oh là là, tu me fais peur là. T'es prêt? Ouais, j'étais dans une ambiance... Tranquille, chill, frérot. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Oussine, et toi? Ah voilà, là, j'aime bien, là, tu souris, là. Bon, c'est quoi ton défi? C'est impossible pour toi de me battre dans une battle de regard. C'est impossible que je te batte en battle de regard. Impossible. On doit se regarder, on doit pas fermer les yeux. On doit pas cligner des yeux? Pas cligner des yeux. Tu sais que je suis super nul en battle de regard. On m'a toujours dit j'ai un regard perçant. Tu me dis quand c'est bon? 1, 2... Tu vas te faire mal, attention. Je vais pas cligner des yeux, frérot. T'es sûr? Là, je suis en train de tomber amoureux, je crois. Oula, après ça, c'est... C'est vrai que t'es... T'as cligné des yeux, là? T'as cligné des yeux? T'as cligné des yeux? Mais en fait, t'es trop nul! Oh putain, je suis en train de pleurer carrément. Non, mais c'est vrai que ton regard, il est quand même vraiment perso. Ça me déstabilise un peu. Non, ça m'a fait quelque chose, là. On peut passer sur Insta, hein. Moi, j'y vais. Ok. Mais par contre, gros, challenge-moi sur un truc où t'es fort. Tu m'as mis la pression, en fait. Tu sais que dans la vraie vie, moi, je sais pas regarder les gens dans les yeux. Moi, justement, moi, je regarde les gens dans les yeux, sinon je stresse. Un mec qui te regarde droit dans les yeux comme ça quand il te parle, je trouve ça trop perturbant. Genre là, avouez, ça vous perturbe comment je vous regarde. Mais arrête de me regarder comme ça, frère. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai bien joué. Ça fait 1-1. Je trouve qu'on peut se... Ok. Bon, bah... Non, vas-y, merci frérot. Prochain abonné, let's go! Je suis trop enjaillé alors qu'en fait, eux, leur but, c'est juste de me mettre dans la merde! Oh, comment ça va? Ça va bien et toi? Tu t'appelles comment? Zacharia. Tu m'as l'air stressé, frérot. Un peu, mais ça va passer. T'es venu pour me mettre dans la sauce un peu. Ouais, c'est ça. On voit tes vidéos, on voit que t'as un bon mental. Mais attends, vous allez tous me clasher ou c'est quoi les bails là? Ah non, Non, là, c'est gentil. Ah, merci. Voilà. Ah ouais, merci, là, ça j'ai me dit plaisir. Un vrai truc. Et moi, je suis venu pour tester ton mental. J'ai 3 défis pour toi. Et ton défi sera de pas dépasser les 100 BPM. Les battements du cœur là? Ouais. Faut pas que tu les dépasses les 100. Mais ça, c'est pas du mental, frère. Bah, le mental, c'est de pas dépasser les 100. Mais là, le problème, c'est que des fois, je fais des trucs, je suis à 200 BPM, mais je le fais quand même. C'est ça du mental. Bah, ouais, c'est pour ça que là, il y a un baromètre pour savoir si tu dépasses 100 BPM. Un baromètre? Je sais pas comment ça s'appelle. T'as tenté un mot. Rien que tu m'as dit ça, ça me fait stresser, gros. Là, je pense que je suis à 66 BPM. Là. Mais depuis quand on note les battements par minute à travers le doigt? Je suis à combien là? 70 BPM? Je dois pas dépasser les 100 BPM. Ouais. Je vais descendre à 10 BPM, frérot. Là, je vais commencer à rentrer dans un état d'apaisement que t'as jamais vu. Bah, on va voir dans 5 minutes. Tu vas faire quoi là? T'inquiète. Tu sais que si tu me fais un striptease, moi. Je pense que ça va être pire. Ok, moi je suis prêt, je suis parfaitement calme. T'es sûr? Sûr et certain. Moi je vais commencer alors. Tu fais quoi là? Non, j'ai juste un petit matériel. Regarde devant toi s'il te plaît. Et tu fais quoi? Je vais dessiner dessus. T'es un peu petit. Évidemment que je suis petit, je suis assis. Tu dessines quoi frérot? T'es dit, je fais un autoportrait. Un autoportrait? Autoportrait de toi, je sais pas comment on dit. Ah, tu dessines moi sur moi. En vrai, j'aime bien l'idée, c'est artistique, je trouve. Putain, pourquoi je stresse? Je suis remonté à 70. Je vais rentrer dans un état d'endormissement bientôt. Ça te ressemble un petit peu quand même. Si t'as dessiné une teub. Non. Peut-être. Là, tu m'as dessiné là. Ouais. Je peux pas voir ce que t'as dessiné, mais si t'as dessiné une teub, je te parle plus. Et imagine, t'as dessiné une dinguerie. Bah, peut-être, mais tu vas pas savoir. Putain, mais je stresse, ça marche ton truc. Pour le deuxième défi, j'ai ramené quelqu'un. Oh non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Arrête. Ouais, attends, calme-toi. Attends. Frère, tu fais ça comme si je faisais ça tous les jours. Je suis à 68 bébés. Bon, bah, au calme. C'est parti. Attends. Allez, Mich, tu l'as déjà fait, c'est pas la première fois. Je suis prêt. Ah, en plus, faut pas que je stresse. Ça va, là? Ça va, nickel, chrome. Tu sens bien les petites pattes? Ouais, nickel. Les petits poils? Ouais. Regarde, je te prouve que je suis un bonhomme. Vas-y. Voilà, je suis avec ma pote l'amigale. On flex à deux, on est carrément ensemble. Comment ça va? Je garde, je lui fais un bisou. Ouais. À distance quand même, faut pas déconner. Ses poils, ils picotent les mains, je sens son... Elle a un gros tarpé, hein. Son gros cul, il traîne sur ma main, là. C'est bon, c'est réussi? Ouais, je pense que ça va. Non, j'ai juré, je suis resté calme. Gros big up à l'araignée, en tout cas, hein. On est grave ensemble. Là, je t'ai concocté une dernière épreuve. Non, il y a encore un truc après ça? Ouais, je l'ai jamais fait en vidéo. Comment ça? T'inquiète.
En fait, je comprends, bro, c'est toi qui me donne le compteur de BPM. Toi, je te mets le compteur, t'es à 20. Non, non, non. Ce qui arrive, je vais pas être à 20. Tu me fais peur, frère. Fais venir le truc, là. Je vois que en ce moment, tu brasses bien sur les réseaux. Comment ça? Tu peux me donner un petit peu? Sinon, il va t'arriver des dingueries. Attends, tu veux juste de l'argent, là? Ouais, je veux de l'argent. C'est ça, le... Oh non, s'il te plaît. Non, 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 regarde ce qu'on va faire. Je vais dépasser les 100 là, juste là ce que t'as fait. Je veux juste que tu me donnes 100 balles et après je te laisse. Là, parce que si je veux... Arrête, arrête, frère. Pas aussi près du visage, mais t'es un malade. Non, mais arrête, arrête, arrête. Attends, calme-toi. Arrête, frère, arrête, arrête. Arrête! T'es trop près de moi là, t'es trop près de moi. Arrête, 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 mais t'es un malade. Arrête, frère. Si tu dois me taser, fais-le en bas du bras, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ici, là? Arrête ça, c'est la cuisse. Je sais même pas comment j'arrive à me stabiliser à 94. Ça va, faut que ça monte encore. Comment ça? Faut que ça dépasse les 100. Ah! Oh, t'es un malade. Non, c'est trop. Non, c'est trop, frère. T'es un fou, frère. Tu me touches, là. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais rien te faire. Assis-toi. Je suis en train de me calmer, je redescends là, je suis à 75. C'est bon, tu t'es calmé. Je voulais juste me mettre un coup de pression en fait. Ouais, je voulais te mettre juste un coup de pression. Mais t'es horrible, frère. En fait, j'avais l'impression que tu contrôlais pas ce que tu faisais. Tu me tases là, je pense vraiment. Non, en vrai, je sais pas, je connais pas la puissance du taser, mais il fait peur. Hein. Mais moi, je connais pas la puissance du taser. Bien, on essaye maintenant. Si tu veux, j'essaye sur toi. Non, mais je rigole, je rigole, je rigole. Ça, on le pose. Voilà. Je crois que j'ai plus de ppm que toi. Fais voir. T'es à 140 ppm, mais mon ref. Ouah, je suis faire du cardio là. J'ai pas dépassé les 100 BPM, même moi j'arrive pas à y croire. Je sais toujours pas ce que t'as sur la joue. Quoi? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis pas trop surpassé pour ce coup. Il est éclaté ton dessin. Là, il y a un petit bec, là c'est la tête, là c'est le corps, et après il y a les pattes. C'est un pigeon? Non, c'est un canard. Sors. Tu sors, frère. Non, c'est trop. Vas-y frérot, merci beaucoup hein. Putain, j'en reviens pas. Défi réussi, ça fait plaisir ça, on prend un point. Bah le problème c'est que maintenant on enchaîne. Bah attends, par contre j'ai peur. Salut, ça va? Comment ça va? Tranquille et toi? Ça va, super. Je t'appelle comment? Djibril, j'ai un défi, il est simple. On t'a vu plein de fois faire des live cuisine avec Elsa et tout, t'as tenté des choses. Mais aujourd'hui je pense que pour toi, c'est impossible que tu me fasses un bon burger maison, mais le tout à l'aveugle. Les yeux bandés genre? Ouais. T'en penses quoi? Surtout qu'après je t'ai pas dit, moi je le mange. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais attends, mais du coup tu te mets dans la merde. Mais de fou. Tu sais quoi, je vais te défier, il est impossible que tu manges le burger éclaté que je vais te faire. C'est un bon défi. On fait les deux en même temps. Mais du coup tu connais mon niveau en cuisine. Ah oui bah justement, mais j'ai peur. Oh la vache. Bon j'avoue la croûte elle est très très dure. Voilà, je pense que j'ai peut-être mis un peu trop. J'ai vraiment un niveau éclaté en cuisine. Mm-hmm. Mais burger, j'en ai déjà fait plusieurs fois, etc. C'est vraiment, c'est ma recette. Mais à l'aveugle, ça passe. Franchement, juste cuire la viande, c'est bien. Après, je sais pas. Oh, mais en vrai, les ingrédients, moi, j'aime bien. J'ai un avantage, c'est déjà prédécoupé. Franchement, plie-moi un classique, je t'en supplie. Tu sais que ça va être catastrophique. En vrai, tant qu'il tient debout, ça va. Hein. Oh, putain, le pire, c'est que je vois vraiment rien. Oh là 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 là! Alors là, mon frérot, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On va commencer par steak haché. J'ai vu l'emballage, c'est un emballage blanc. Et normalement, dans le coin, voilà, il y a un truc comme ça et on peut ouvrir. Tu veux un ou deux steaks? En vrai, j'ai... Sois pas relou, un steak. Ok, vas-y. S'il te plaît, sois pas relou. Le steak est prêt à être sorti. Ah, j'ai du beurre pour faire chauffer le steak. Tu sais que j'ai l'impression de voir, là. Je suis tellement dans ma tête en train d'imaginer tout que je vois. Regarde, t'es prêt? Là, je prends une tranche de tomate. Oh putain, t'es chaud. T'as vu ou pas? Du coup, t'as pas d'excuses. À la fin, ça doit être trop bon, là. Ouais, enfin, bon. Ok, ça commence à chauffer, là. On va mettre le steak maintenant. Là. Oh! Oh, bien joué. Oh, le steak il commence à cuire. Mais attends, parce que là j'ai aucun repère pour savoir s'il est bien. Oh, mais c'est impossible. Attends, mais c'est trop dur de retourner le steak. Ah, mes frères. Ok. Oh, t'es chaud. Putain. Il est retourné là? Ouais, il est retourné. Juste peut-être pas dans la poêle quoi. Non, arrête. Non, me dis pas, il est par terre. Sur la table. Ah, il est sur la table. Mais il est pas par terre au moins. Ah. Oh, il m'a l'air cramé là. Ok, ce côté là il est pas cuit. Ouais. J'ai réussi, frère. T'es chaud de fou. Let's go. Je pense que c'est l'heure de sortir le steak, hein. Ouais! Ça c'est beau ça! Il est où le pain? Ah, ok. Tu veux quoi comme sauce quand même? Alors que je regarde, en vrai, barbecue, je suis chaud. Après, bonne chance à toi pour les différencier quoi. Après, ça va. Heureusement, j'ai quand même mon. Putain! Ouais, vu comment ça a coulé, c'est le ketchup. Ah! Oh non! Eh ouais, mais tu me fais la boue! Merde! Ah,
attends, faut que j'aille me laver les mains. Tu veux que je t'amène vers la porte des toilettes? Ouais, mon ref. Là, ah, ok, là, c'est bon, chiottes. Je reconnais. Lave bien ça, par contre. Je me rappelle, c'est ici que Massu il avait vomi quand il a léché les selles de Timouth. Donc tu m'as dit sauce barbecue. Exactement. Attends, parce qu'il faut pas que j'en mette trop. Moi, je pense que là, c'est pas mal. En bas, je pense qu'on va commencer avec 3 tranches de salade. Je pense que c'est pas mal. On va mettre le steak haché. J'y vais avec les mains, frérot. Tac. Moi, tomate dans les burgers, je suis pas trop fan. Moi, ça va, mais juste quand il y en a pas trop, quoi. Et on termine quand même sur une petite tranche de salade. En tout cas, il est bien frais le burger. Je crois que sur le dressage, je suis bon. Hein. Attends, j'ai vraiment trop la dalle. Ah, ça te donne faim. Alors, j'ai pas dit que ça me donne faim, j'ai dit que j'ai trop la dalle. Dis-le. Ouais, ça me donne faim de fou, mais. Ça donne faim, merci. Hop, il est où le burger? Il est là. Carré. Regarde. Franchement, il a une belle gueule. On peut dire que c'est terminé. Bah là, t'as réussi le défi en vrai. Attends. M'en dis pas trop, j'ai envie de voir. Ouh. J'ai redécouvert ton visage. Ah ouais? Mais attends. Après, on voit plus le steak. Attends, je veux juste voir la tronche du steak. En vrai. Ouais, mais t'as pas vu de l'autre face, genre. Mais franchement, je m'attendais à faire pire. Du coup, tu goûtes? Vas-y, on fait ça comme ça. Une chose est sûre, c'est qu'il va être froid de fou. C'est ma recette, t'inquiète, c'est burger froid. Oh putain, les big tomates et tout là. Ok. C'est un peu croustillant. Moi, j'aime bien. Oh, le suspense. Alors, c'est pas mauvais. Si je devais mettre une note, ce serait un 6,5-7. Ça va? Mais la viande, bon, déjà t'es mal à l'intérieur. De quoi? Elle est cramée genre sur le texte, mais elle est rose de fou dedans. Il est cramé à l'extérieur, à l'intérieur il est presque cru. Là tu regardes le burger. Est-ce que tu te dis, le mec il a cuisiné les yeux bandés? Ah non, clairement pas. Et je peux goûter? Ouais, avec plaisir. Alors? Pourquoi il a un goût de chips? Alors moi j'ai pas eu ce goût par contre. Bah en vrai c'est pas mal. Bah ouais, non mais j'ai juré en vrai c'est bon. C'est mangeable, merci beaucoup. C'est un défi validé. Ouais, défi validé. Let's go bébé. Défi validé. Mais de toute façon t'es pas au bout de tes surprises. Je dis ça, je dis rien. Bah merci frérot. Y'a pas de quoi, vas-y bonne vidéo à toi. Si mère. Bon, maintenant qu'il est parti, je peux vous le dire, il est ignoble. Je sais pas comment il me l'a validé les frères. C'est pas un burger ça, Le steak haché, il a un goût de chaussette, mon ref. Oh, salut. Comment ça va? Bien et toi? Là, tu rigoles. Aujourd'hui, là, on va plus rigoler. Mais mon ref. Non, à chaque fois que je regarde une télé vidéo ou un live, je suis obligé de baisser le son parce que tu cries tout le temps. Ah, tu trouves que je crie trop? Pas que moi. La prod aussi, j'ai entendu, elle a dit, ah, il gueule. Qui a dit ça? Je donne pas de nom. Attends, qui a dit ça là dans la prod là? Oh, ouais, je peux me mettre à gueuler. Ah, c'est l'ingé son. Ah bah oui. Du coup, là, tu vas être ma marionnette pendant un certain temps. Il y aura un compteur des décibels. Pour moi, ce sera impossible que tu fasses du bruit. Oh, ok, j'aime bien le challenge. Je dois faire le moins de bruit possible. Ouais, donc là, on va me donner un compteur des décibels. Ah, ça, c'est vrai que c'est un truc dur pour moi. Ah, ça, c'est un compteur des décibels. Exactement. Non, mais là, il y a 80 décibels dans la pièce. Tu vois, tu parles trop fort. C'est vrai que dès que tu parles, ça baisse à 70. Ah, ah ouais, ça marche. Mais attends, c'est incroyable. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, je vais commencer doucement et après, ça sera crescendo, on va dire. Attends, faut pas que je dépasse combien de décibels? C'est quoi, toi, tu vas le tenir? On va dire 90. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que t'as assez souffert et tout, j'ai pas envie de te faire souffrir encore. Mais attends, plus. Mais t'es malade! Mais tu sais que ça fait super mal! Sans mentir, de base c'était pire, on m'a donné une casserole et je devais te taper. Merci de pas avoir fait ça. Ouais. Bah tu sais quoi, là qu'on est dans les confessions, j'ai dépassé 90. Là, t'as perdu. J'ai été fair play, tu peux me donner le point. Non. Merci beaucoup frérot. Je t'en prie, merci à toi. Bizarrement, j'ai bien aimé en fait. Ouais, bizarre. J'ai peut-être un petit côté un peu. Ouais. Bref, n'en parlons pas. Ouais. Bon courage pour la suite. Frérot, merci. Au revoir. Les gars, je pense qu'on peut passer tranquillement au prochain abonné. J'espère qu'il vient avec une petite phrase gentille pour une fois. Parce que bon, allez, ouais, tu cries trop. Ouais, t'es un peu con. Ouais. On est. Oh. Salut. Oh, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Tu t'appelles comment? Maëva. Maëva, enchantée. Toi, ça se voit, t'es arrivée dans un bon esprit. T'as une petite surprise carrément pour moi. Non. Ah. Justement, je vois que tu fais beaucoup de fautes de français. Ah. Donc on est venu tester sur ça. Franchement, je vois pas de quoi tu parles, des fautes de français, moi. Les si j'aurais. Ah. C'est quoi le défi? Je vais apprendre la conjugaison? Non, on va te faire une petite dictée. Bah, le but, c'est que tu fasses moins de 4 fautes sur cette dictée. T'es venu avec une dictée? Ouais. En vrai, pourquoi pas? Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de dictée, mais d'accord. J'espère que t'es prêt alors. Vas-y. Et je dois faire combien? Moins de 4 fautes. Moins de 4 fautes sur la dictée? Ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est les vrais feuilletards à l'époque. On commence la dictée? Quand t'es prêt, on y va.
Wesh, il y a deux minutes, j'étais en train de me faire penser, là je fais une dictée. C'est quoi cette vie là? T'es prêt? Michou, virgule, vivait une histoire d'amour avec Elsa. Pourquoi? C'est au passé. Point. Leur relation... ...était un véritable conte de fées. Mais pourquoi c'est au passé là, vraiment? Mais il y avait une ombre au tableau. Au tableau. Deux points. Michou était secrètement amoureux de son ami... Oh non. De quel ami? Inoxtag. Point. Donc là, je suis en train d'écrire une fanfiction, comme si tout était normal, d'accord? Alors que Michou et Inoxtag se retrouvaient... Putain, mais tu me fais écrire n'importe quoi. Une tension palpable... Ouh là là, attends, quel genre de tension? ...régnait entre eux. Ok. Michou était tiraillé entre... ses sentiments pour Inoxtag et son engagement envers Elsa. J'ai l'impression que tu décris exactement ma vie en ce moment. Cependant, Elsa décida de confronter Michou et de l'encourager à suivre son cœur. J'ai juré dans la vraie vie, Elsa, elle me met une tarte. Hein. Michou rassembla tout son courage en vase galoche et avoua ses sentiments à Inoxtag. J'espère c'est réciproque. Leurs regards s'alanguirent. S'alanguirent. Ça veut dire je pécho Inox à la fin. S'alanguir, je pense que ça vient du truc langue. Donc, A-N. C'est leur regard. Donc, c'est s'alanguir, E-N-T. Je suis un monstre. Correction? Je peux prendre ta feuille? Ouais. Michou vivait une histoire d'amour avec Elsa. Quoi? Il y a une faute là? A fée, il y a un S. Comment ça? Un conte de fées. Ah, mais c'est un conte de plusieurs fées. Ok. Ok, donc là, pour l'instant, on a une faute. Et j'ai le droit à 4 fautes. Elle a trop le seum, il n'y a aucune faute, elle a trop le seum. T'es dégoûtée? Un peu, j'avoue. Pourquoi t'as marqué le beau gosse? Hein? Michou, le... Bah, c'est toi qui m'as dit, non? Ah, pas du tout. Ah, moi, j'ai écrit tout ce que j'ai entendu. Sinon, ça va les chevilles? Encore? Michou, bah, moi, je dis ce que j'entends, après... Ok. Trois fautes. Ah, j'en ai fait une dernière? Ouais, ça languir. Il y avait un seul L. Un L. Bravo. Merci. Merci à toi. J'ai vraiment l'impression d'être retourné en cours et d'avoir une bonne note là. Putain, je suis deg, moi je voulais qu'on ken à la fin de l'histoire avec Inox, putain. Pourquoi ça se finit juste? Leur regard s'alanguir, moi je voulais la fin là. Eh, hey, tu l'as trouvé sur quel site la dictée? Moi je veux la fin, hein. Prochaine abonné s'il vous plaît. Salut, tranquille. Bah oui, tranquille et toi? Bah ça va, nickel. Je viens de réussir ma dictée, je suis en pleine confiance. J'ai vu. Mais là, on va moins rigoler. Ok. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. T'as sorti un EP, t'es passé à la télé, t'as 8 millions d'abonnés. Félicitations. Ouais. T'es en train de me saucer là. Ouais. Est-ce que t'as déjà battu un record du monde? Non. Impossible pour toi de battre un record du monde en avalant 6 glaces à l'eau en moins d'une minute. C'est un vrai record du monde? Oui, c'est le défi que je te donne. En vrai, ça veut dire quand même une glace à l'eau toutes les 10 secondes. Oh, je déteste, ça veut dire que je vais devoir croquer. Normalement, je croque pas, voilà. Faut que je me prépare à graille. En plus, ça tombe bien, j'ai faim. 3, 2, 1, top. Oh bah ça se voit, ça se croque facile. Et bien fait. C'est pas si vite. Oh le roi. Non. Ah ouais, là c'est gelé. J'en peux plus. Je pensais pas que c'était un enfer à ce point-là. Au début, les 5 premières secondes, j'ai pris comme ça à fond de balle. Je me suis dit, mais attends, ça va passer. Sauf que ça fond dans ta bouche. Et le temps que c'est pas fondu, tu peux pas avaler. Ça m'a détruit les dents. Et le cerveau. C'est quoi cette idée de merde là encore? Non, c'est trop. Putain, bon, j'en prends une quand même, je déguste. Pour les records, heureusement qu'il y a Inox pour compenser. Oui, j'avoue. Mon frérot, merci beaucoup. Pas de soucis. Les amis, l'heure est grave. Si on compte les points, j'ai raté 4 défis et j'en ai réussi 3. Donc à partir de maintenant, sachant qu'il en reste 2, je dois plus perdre. Si le prochain défi, je le perds, j'ai officiellement perdu contre les abonnés. Donc les gars, là, faut que je me donne à fond. Sachez que c'est ce que je fais depuis le début. En vrai, je tryhard, mais les glaces, c'était vraiment impossible. Hello. Ça va, tranquille? Ça va et toi? Bah ça va, super. J'ai acheté un casse-tête et je n'arrive pas à le faire. Et du coup, je suis venue vers toi pour que tu me le fasses en fait. Ça te va ou pas? Bah j'ai pas le choix. Ouais c'est vrai. Les gars, on va être honnête, je crois que j'ai perdu. Les casse-têtes c'est pas fait pour WAM. Oh là là. Oh là là, c'est un truc d'intelligence. Tu vois, ça ressemble à ça en fait. Tout se joue sur un truc d'intelligence. Quoi? Attends, je comprends même pas. Moi non plus.
Ok, je peux y aller? Vas-y. Alors attends, là, si je regarde bien, on voit qu'il y a un petit truc pour que ça passe derrière. Je comprends rien! Attends, là, j'ai un bail. T'as un truc. Oh, j'ai un truc! Il y a un truc, là. Oh, j'ai un truc! Ok. Hey, c'est un casse-tête ou un casse-couille? Je me suis endormie carrément. Attends, j'ai perdu. Bah ouais, t'as perdu, mais... Démerde-toi. Mais non, mais pour ton estime, est-ce que tu veux essayer? Non. Pourquoi t'as acheté ça, toi? Je sais pas, pour s'occuper. Pour t'occuper, fais comme tout le monde, scroll sur TikTok, enfin voilà quoi. C'est bon, je me casse. Merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. J'ai passé un mauvais moment. Bah pareil. Salut. Les épreuves d'intelligence, c'est pas fait pour moi. Elle a prononcé le mot casse-tête, j'étais déjà plus là. Mais du coup, j'ai le seum. J'ai officiellement perdu, c'est une défaite face aux abonnés. J'ai raté 5 défis. Je suis dégoûté, putain, je suis dégoûté. Bon, il y a encore un défi. On va essayer au moins de sauver l'honneur, les gars. Comment ça va? Ça va, et toi? Tu vas bien? Tranquille. Ça te dit quoi, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Putain, t'es un daron quand même un peu. Ouais, sympa, c'est cool. Moi, je viens à ta vidéo là et tu... Tous les abonnés qui sont venus avant, ils m'ont taclé. Ok, c'est pour ça. Moi, je suis le dernier, je vais te faire perdre en plus là. Putain, comment ça tu vas me faire perdre? Pour moi, c'est impossible pour toi de rester enfermé plus de 2 minutes dans une caisse. Mais attends, comment ça dans une caisse? Il y a la caisse et on va voir si t'arrives à rester dedans. Là, j'ai deux parties de mon cerveau qui s'embrouillent. J'ai une partie un peu claustro qui est en mode la flemme de rentrer dedans. Et de l'autre côté, j'ai une partie un peu enfantin qui est en mode quand j'étais petit et que je faisais des cache-cache, j'aimais trop me cacher là-dedans. T'es resté à la même taille en plus. Mais attends, je dois rester 2 minutes dedans? Ouais, 2 bah, minutes. En vrai, ça paraît simple? Bah ouais, c'est simple. Mais c'est le dernier défi, on va voir ce qui va se passer. Ah, il va se passer des trucs. Oh, bâtard. Oh là 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 là, mais évidemment. Rester 2 minutes dans une caisse, il est où le divertissement? Tu penses que tu vas le gagner, celui-ci? En fait, je sais pas ce qui m'attend. Tout ce que je me dis, c'est que c'est du mental. C'est juste, je me mets dedans et j'arrête de bouger. Et je vais dedans, là? Ouais, vas-y. Ah, mais je passe en vrai, parce qu'en vrai, mine de rien, est quand même petit. Heureusement, je fais 1m60. Je vais avoir un peu mal au cou, mais ça va. 2 minutes, hein. 2 minutes, hein, y'a pas de triche. Si je veux sortir, je sors. Je reste pas 10 minutes là-dedans, moi. 3, 2, 1, top, c'est parti. Putain, il fait noir, là. Pourquoi j'entends des bruits de pas partout autour de moi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, mais ça schlingue! Ah, ça pue sa mère! Ça va, Michou? Ah, c'est horrible! C'est quoi? Ah, ça pue! C'est irrespirable, frère! 1 minute 30. Mais l'odeur, elle est plus forte que tout! Ça va le faire, Michou, il te reste 1 minute. Ah, ça schlingue. C'est les chaussettes de ta chambre, Michou. Ah, j'ai chaud. T'abandonnes ou pas? Non, j'abandonnais pas. Là, je suis en train de m'habituer à l'odeur, là. C'est faux, c'est infâme. 20 secondes à tenir. Ah, putain, j'ai chaud. Ah! Plus que 10 secondes. 10 secondes? 9, 8, 7, 6. Oh, c'est les 10 secondes les plus longues de ma vie. 4. 3, 2, 1. C'est bon, Michou. Oh, sens-moi ce qu'il y avait dedans, là. S'il te plaît, va dans la caisse. C'est quoi, par contre? C'est une petite boule puante. Ah, c'est une boule puante. Attends, mais c'est sûr que je vais puer? Une fois, dans une vidéo, j'avais mangé l'œuf de 100 ans. Mais c'est des œufs pourris? Oh! Ah! C'est pas bon. J'arrive pas à avaler. J'avais l'impression d'être dans ma bouche à ce moment-là. Frère, c'est infâme. Allez, tiens, repars avec ta boule puante de mort. Merci, Michou. Et bah, merci à toi, frère. Enfin, merci, ouais, merci. Bon, au moins, défi réussi, les frères. L'odeur, elle va pas partir de moi, là. Ça va, l'odeur, là? Ouais, non. À vous sentez. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les abos qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour me proposer des petits défis. Un petit peu sadique, hein. Franchement, c'est pour le contenu, c'est pour le divertissement. Je tiens encore à remercier évidemment Watcher of Rehan qui sponsorise cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez kiffé. Je suis dégoûté les frères, parce qu'au final j'ai perdu. Au moins t'as tenté. Au moins j'ai tenté. Mais tu peux les quatre. Sympa. Ciao l'équipe, vous êtes les boss, bisous.